souffle. On dirait la trace de réponse tellement c'est joli. Trop drôle. Coucou les petits copains. Hello Kana, coucou Calice, comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Bon, c'est toujours les vacances, voilà, alors on est dans la maison, on est bien. On fait des cartons, mais pas que, voilà, on s'amuse et puis on fait aussi des petites vidéos pour vous. Papa. Et aujourd'hui, on a eu l'idée d'un challenge et c'est Calice qui a eu l'idée, je crois. C'est... Oui. C'est... Papa, c'est... Oh, c'est des pailles. C'est moi qui ai fait la pyramide. Alors le but du jeu, c'est qu'on va assembler. Je peux? Ouais. On va assembler. On va assembler les pailles. Ouais. Et on va les faire passer comme ça dans les crochets. Il y en a un qui va passer par-dessus le frigo. L'autre, il va être comme ça. Il va ils vont continuer comme ça. Il va tourner lui et là il y a les verres. Et donc ça va arriver ici. Et il fera boire le plus rapidement possible pour gagner. Et là? Oui, papa. Oui. J'ai soif. Ah ben ça tombe bien, on va boire un coup. Voici mon bazooka qui lance des papayes. C'est parti. C'est le bazooka qui lance des pailles. Donc le but du jeu, c'est de faire deux chemins de paille. Un pour Calice, un pour Athéna, de la même longueur. Voilà. Donc on va faire deux chemins parallèles. On va monter ça. Avec le même nombre de pailles, bien sûr. Oui. Hello. Alors, bah bravo, ça trouve le petit copain, il faut pincer un petit peu. Je l'avais déjà expliqué. Je t'avais déjà expliqué. Il faut montrer au petit copain, je l'avais expliqué au petit copain. C'est mieux que vous le faire seul avec des pailles normales. C'est pas compliqué, vous prenez le bout d'une paille et vous le repliez comme ça. Vous repliez comme ça et vous mettez ça dans la nouvelle paille. Oui, je vous aide. Allez, je vous aide. Normal. Je vais vous encourager. Allez, Calice. Allez, Calice. Allez. Allez, Calice. Allez. Allez, Calice. Allez, Calice. Allez, Calice. On n'a pas fini, hein. On n'a pas fini. On va mettre un accéléré ou un coup au montage. Au mur, ici, ici, et après on continuera. Alors on a presque fini, voici le chemin emprunté par la paille de gauche. Et le vert qui est ici. Voilà. Et ça y est, vous êtes en position. Oh bah vous êtes très bien comme ça. Oh là 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 là. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, les filles. Oui. C'est que j'ai testé, moi, juste avant, quand même. Et en fait, en aspirant, ça ne marche pas. Il faut vraiment aspirer très, 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 très fort. Et j'ai même pas réussi, en fait, parce qu'il faut monter le chemin. J'avais un petit doute, quand même. Hein. Monter et monter en aspirant, c'est assez compliqué. Par contre, en soufflant, ça marche très bien. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire un jeu, pas en aspirant, mais en soufflant. Voilà, donc je vais mettre... On va avoir de l'eau dans la bouche et on va faire... C'est ça? On va faire. Bon, vous allez souffler de toutes vos forces. Et qu'est-ce que je vais mettre dans le verre qui fait des bulles? Bah, de l'eau. Non, ça fait pas beaucoup de bulles. Il faudrait faire des bulles qui fassent déborder le verre. Et la première qui fait déborder le verre. De la mousse. A gagné. Du lait. Du lait? Du lait, c'est une bonne idée ça, du lait. Ça y est, j'ai mis du lait dans les verres. Il y en a déjà qui commencent à souffler. Stop, stop, Calice, ça va déborder là.
Alors, je retourne les voir. Et voilà. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Oui. Promis, j'aurais craché. On ne crache pas. Ah, attention, vous êtes prêtes à souffler? Oui. Là, vous avez le droit de faire déborder le verre. C'est un petit peu le principe. À mon top. Vous êtes prêtes? 3, 2, 1. Soufflez. Oh! Calice a gagné! Vas-y, souffle, Adana, souffle très fort, vas-y! Non, c'est bon, Calice! Allez, Calice, va souffler dans celui d'Athéna pour voir si ça marche bien. Ok. Pour être sûr qu'aucune paille ne s'est déboîtée. Allez, vas-y, souffle très fort. Ok, ça marche. Tu veux essayer, Athéna? Vas-y. Vas-y, va voir, Calice. Allez. Tu veux jeter? Je tire papa si tu veux. Oui. Allez, c'est parti. Attention. Oh. Ah. Ça y est. En plus, c'est pas moi qui l'a fait. Ouais, non, c'est moi. Wow. C'est quand même moi qui ai gagné. Est-ce que, Athéna, tu veux essayer avec la paille de calice? Parce que j'ai l'impression que c'est plus facile avec la paille de calice. Oui. Voilà. C'est peut-être le verre qui fait la différence pour le coup. Allez, c'est parti, Athéna. Souffle. Allez, très fort, vas-y. Pendant que calice souffle aussi. Ah, ça marche plus. Ça y est, tu réussis à le faire déborder sans problème. Et toi, ça bon, c'est bon aussi, Calice, bravo. Eh, t'es là, arrête, on est partout. Stop. Oh. Athéna. Oh là 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 là. Oh non, c'est trop drôle. Et je vous rappelle quand même que Athéna est 10 mètres plus loin. Voilà, ça passe par ici. Ça passe par là. Et Athéna est ici. Vas-y, Calice, tu peux souffler aussi. Tu veux voir? Ah oui. Allez, Galice, souffle. Je veux dire la trace de réponse tellement c'est joli. Trop drôle. Allez, souffle maintenant, souffle très fort. On va faire une blague. On va faire le ballon, mais on va le dégonfler dans la paille. Allez, très fort. Allez, souffle. C'est drôle? Ouais! Banana! Eh bien là, on va essayer une nouvelle expérience puisque j'ai raccordé eh bien, les deux pailles voilà, qui arrivaient ici. Elles ont été raccordées ensemble ici. Alors, merci petit mignon. Donc, et regardez ce que j'ai mis au bout d'une des deux pailles. Pendant que Athéna gonfle un ballon. Eh bien, j'ai mis notre chère petite bonbonne d'hélium. Hey, bravo! Donc notre chère petite bouteille d'hélium que voici. On vient, elle est connectée
par internet, hein, elle est connectée à la paille. Et voici l'autre bout de paille. Eh bien, je crois que ça a marché quand même, bravo Calice, et puis effectivement, t'as pété la paille. Oh là 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 là, on va pouvoir la scotcher. C'est pas grave. Donc, bah, en tout cas, ça a marché. Ah, ça y est, ma voix redevient normale. Papa. Maintenant, on va gonfler ce ballon avec du hélium grâce à notre réseau de paille. Papa. Après, elle est trop rigolote. Ok, allez, maintenant, on va gonfler le ballon. Oui. Bon, ok, je reconnecte. Ça y est, j'ai raccordé la paille au réseau. C'est pas de la fibre optique, hein. C'est pas de la paille optique non plus. Alors, attention, Calice. Je mets, regardez, la paille ici. Je vais scotcher le ballon. Tu peux y aller, Calice. Vas-y, va. Donc là, j'ai gonflé le ballon directement à la bonbonne. Et voilà, Athéna. Tiens, voilà ton petit ballon. Mais comment on va récupérer maintenant? Avec les chapeaux. Bon, allez. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Qui va ballon? Qui vole? Voilà. T'es prête, Athéna? Tiens. Attends, je commence. Attention. Attention! Ah! Ah non! Non, reviens, ballon, reviens! Ah, avec ça peut-être? Oui! Oui! Qui vole un ballon? Qui vole? Oh non! Qui vole un ballon? Qui vole? Ouais! Anna, Athéna, qui veut un ballon? Qui vole? Oh non! Bon, là, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Oh non, c'est trop petit! Bon, allez, je vais aller chercher, mais c'est ainsi qu'on termine cette petite vidéo. Est-ce que ça vous a plu, les pailles? Oui! Et le ballon? C'était drôle, Athéna? Oui, mais on fait que le ballon! Ouais, je vais le chercher. On fait un gros bisou d'abord aux petits copains. Bisous, bisous Calice. A demain, j'espère que vous avez aimé. Si oui, c'est un petit pouce bleu. Voilà, comme ça, ça nous aide, ça nous encourage à refaire des vidéos de ce style si vous aimez. Et puis, partagez, commentez, abonnez-vous et bien sûr... Vivez vos rêves. Vivez vos rêves, voilà, même si je suis haut. Oh, j'ai des chaussures, je suis un petit peu là. Ok, à demain les filles, gros bisous, ciao ciao. Ciao. 3, 2, 1. Oui. Oula. Autre méthode pour récupérer un ballon, il suffit eh bien, de prendre un aspirateur.